Comme on parle de Noël, on va continuer avec ce que j'ai fait pour Noël. Donc, tout d'abord, pour la table, j'ai fait des petites serviettes. Donc, nous, notre sapin cette année est blanc, doré, avec des pointes de rouge. Et du coup, dans mon stock, j'avais un coton. Comme ça, avec des petits flocons. Donc rouge avec les flocons blancs. Que je trouvais super sympa. Et je me suis dit, au lieu d'acheter des serviettes comment, en papier. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas essayer de faire des serviettes. Et j'ai voulu tester le rouloté sur ma surjeteuse. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait un petit rouloté. Tout simplement. Tout autour, tout autour, tout autour. Et j'avais une petite serviette. Et je trouvais super jolie. Donc, du coup, j'avais mes petites serviettes qui font 25 par 25 de côté. C'est des carrés. Et je suis trop contente. Du coup, ben, je suis en train de me mettre à faire que des serviettes en ce moment. Pour, bah, pour la table, quoi. Avant, on était en serviette de table avec de la des microfibres. Bah, on est en train de changer, hein. Je suis en train de passer à ça. Et comme c'est du coton, c'est très simple d'entretien. Ça sèche très vite. Et ça permet d'avoir des petits trucs sympas. Là, j'en ai une autre. Hop. J'ai fait comme ceci, dans une chute de tissu que j'avais. Donc, toujours le même principe avec le rouloté. Et j'en ai d'autres à venir. Là, j'en ai deux à coudre prochainement. Donc là, avec les petits lamas, que je trouve trop beau. Donc, j'ai plus que mon rouloté à faire. Et ce tissu-là, que je trouve sympa aussi. Hop. Ça fait comme des petites suspensions et tout. Moi, je le trouve super beau, ce tissu. Donc ça, c'est des tissus que j'ai eus chez RL Tissus. Ils sont vraiment très, très jolis. J'aime beaucoup. C'est vraiment une boutique que je trouve super sympa et c'est vraiment, je pense, un endroit où je vais acheter régulièrement. Donc, un super site où on trouve pas mal de choses et à des prix, je trouve, relativement corrects. Hein, vraiment. Et voilà. Donc, mes futures serviettes. Pour les enfants, c'est pareil. Là, en ce moment, ils sont. Alors, Elina, elle a des petits flamants roses sur fond gris. Et Alexander, j'avais une chute de tissu où je lui avais fait un snood où il y a Batman et Superman, un tissu que j'avais eu chez Toto, en coton, hein, toujours. On reste sur le coton pour faire les serviettes. Et du coup, quand ça fait des. Quand il reste des chutes où on ne peut pas faire grand-chose, bon, ça peut faire des petites choses assez sympas, pratiques. Écologiques et qui peuvent être très rigolotes. Dans toujours le même esprit, mais pas pour la même utilité, j'ai fait donc mes emballages cadeaux. Là, il m'en reste un, parce qu'il y a un cadeau qui a pas été donné, encore, à cause du temps. Mais voilà. J'ai fait un furoshiki. Là, j'ai fait un carré de 70 cm. Et pareil, j'ai fait un simple rouloté tout autour, tout autour, tout autour. Et du coup, j'emballe mes cadeaux avec. Et ça, je trouve ça génial. Vraiment super top. Cadeau individuel, je fais ça. Donc ça, c'est ce que j'ai fait cette année. Dans un tissu
qui vient de chez les Coupons Saint-Pierre, que je trouvais super joli. Donc ça, on peut faire dans différentes tailles en fonction des cadeaux qu'on a à faire. Mais voilà. Vraiment très très sympa. Maintenant, petit à petit, j'ai mon stock qui se fait par rapport à ce genre de produit. Donc là, il fallait que je refasse autre chose pour Noël cette année. Hop, je vous montre. Donc c'est un jaune moutarde avec des petites étoiles que j'avais eues quand on était dans la Manche. Le magasin, c'était les tissus d'Isa que j'avais eu là-bas. J'ai fait une hotte. Tadam! Une hotte ou un sac cadeau. Pour Noël, on appelle ça les hottes. Mais c'est également ce qu'on utilise pour les anniversaires. Un grand sac donc, que je fais sur un tissu d'un mètre en utilisant la laise complète, donc d'un mètre 40 pour le coup. J'avais fait un tuto sur comment je faisais les sacs cadeaux, les hottes, l'année dernière, il me semble. J'essaierai de vous mettre dans le i pour voir la vidéo. Et voilà, en fait, j'ai fait exactement de la même façon. Donc là, j'ai fait le tour de ce que j'ai fait pour Noël. Et il me reste à vous montrer, du coup, ce que je me suis fait pour moi. Donc j'avais besoin d'un pantalon noir. Je me suis fait donc ce pantalon, le livre Dresde de Dirindo. Hop, et c'est ce modèle-ci. Par rapport au modèle, j'ai fait une petite modif. Là, j'ai pas fait la fausse braguette. Alors moi, j'ai fait quelque chose de tout droit. À l'endroit où on a justement la fausse braguette, moi, j'ai fait un trait droit et j'ai coupé mon tissu comme ça, sans cette partie de fausse braguette. Ce qui me permet du coup d'avoir quelque chose d'encore plus simple. Parce que c'est un modèle qui est très simple à faire hein, autrement. Il n'y a pas de pince, une taille élastiquée. Vraiment très facile. C'est normalement 7/8e. Moi je fais 1m61. Autant dire que ça me fait un pantalon normal. Et voilà, super confortable et tout. Je l'ai fait dans un. Comment? C'est Punta di Roma, si je ne me trompe pas, sur Drissenstoffen. Et bah, franchement, nickel quoi. J'aime beaucoup, super agréable à porter. Le seul truc, c'est au niveau de la taille, j'aurais préféré que ça soit un tout petit peu plus près du corps. Mais voilà, ça va. C'est pas catastrophique non plus. Ça fait vraiment le pantalon un peu décontracté. Donc là, on a les poches qui sont assez grandes. Ce que j'ai fait au niveau des poches, je ne sais pas si vous allez voir, moi j'ai fait une piqûre ici pour bien plaquer la poche. Là, j'étais calqué la taille 44. C'est encore un peu grand. Mais voilà, c'est portable. Là, j'avais besoin d'un pantalon noir. Je me suis fait un pantalon noir. Même pour l'hiver, j'ai pas encore fait ce dont j'avais besoin. Il manque des choses. Là, par exemple, aujourd'hui, je porte le t-shirt plantain à manches longues. Hop. Et je sais pas si vous allez voir. Et une jupe que je me suis fait aussi cet été. Donc c'est que des choses que j'ai fait moi, sauf le gilet que j'ai depuis quelques années et qui est encore très bien. Qui est un gilet tout fin, sans bouton.
Donc voilà, j'utilise tout le temps que c'est en bon état, hein, il n'y a pas de raison, tout le temps que je rentre dedans aussi, hein. Voilà. Et de façon à pouvoir faire ma garde-robe comme je le souhaitais, donc j'avais acheté le livre Dresde et avec les sous du Père Noël qu'on m'a offert, je me suis pris coudre le stretch que je n'avais toujours pas alors que c'est une matière que je coupe pas mal. Donc coudre le stretch de Marie Poisson aux éditions La Plage. J'adore. J'ai pris dernièrement chez Dresden-Stoffen ce tissu. Donc là, il est lavé, il n'y a plus qu'à. J'ai pris ce tissu-là. Si vous aviez vu mon haul, je vous disais que j'aimerais me faire une robe col bateau sans manches. Je sais pas pourquoi. C'est voilà, c'est comme ça que je visualise ma couture avec ce tissu. Et en regardant sur le net, donc on m'a donné un site également où il y a des patrons en anglais, en allemand, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est Ombrune67 hein, qui me l'a indiqué. Et vraiment, il est super sympa. J'ai pas encore imprimé quoi que ce soit. Les patrons ne sont pas chers. Et il y a des modèles vraiment chouettes. Donc, il y a plus de patrons en anglais. Non, il y a plus de patrons en allemand qu'en anglais. Pour ce tissu, donc, je voulais faire une robe bien précise. Sur le site, il n'y avait pas exactement ce que je voulais. Parce que quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Hein, comme... Je vais me faire en fait. Hop, je vais y arriver. Le modèle Gabriel. Et on a cette possibilité de col bateau comme je veux, donc en mode débardeur, qu'on peut allonger en robe. Et ça, ben, c'est trop cool. C'est trop ce que je voulais. Donc, trop bien quoi. Du coup, je vais partir là-dessus et je vais le feuilleter un peu plus parce que ça fait vraiment pas longtemps là que je l'ai. Un super nouveau joujou pour me coudre des vêtements et il va du 34 au 52 et on a tous les patrons à l'intérieur. Donc vraiment très cool. Je pense qu'on a fait le tour. Dans les coutures à venir, donc là j'ai découvert Vanessa Salin et en fait elle propose au niveau de ses patrons un modèle gratuit de culotte, donc c'est la culotte Azure. Sur son site, il y a une vidéo pour le legging Samba où, en s'enregistrant sur le site, en fait, il y a le modèle de leggings qui est gratuit. Donc ça fait deux modèles gratuits et une petite jupe également, je crois, si je me trompe pas. Je vais essayer ces deux modèles-là. Après tout, pourquoi pas? Le leggings, c'est sympa hein, pour traîner dans la maison comme je fais pour les enfants pour dormir, des fois, hein, en guise de pyjama. J'ai fait le tour de mes dernières cousettes 2020. Prochaine vidéo, il y en aura une sur mon organisation au niveau de mon bullet journal qui me permet de m'organiser un petit peu. Donc là, nouvelle année, donc du coup, un nouveau bujo, une nouvelle organisation à l'intérieur. Donc, j'ai filmé ça, il faut que je fasse le montage. Donc voilà pour mes dernières coutures de 2020. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.